oser rêver, croire à ses objectifs avec abnégation afin de réaliser tout ce que l'on désire. Telle est la philosophie de Dame Lucienne Toé, une dame qui a justement troqué le micro pour les cosmétologies ou encore les cosmétiques naturelles ou, si vous voulez, bio, comme on a l'habitude d'appeler couramment dans nos villes. Justement, qu'est-ce que la cosmétique naturelle? À la découverte de cet univers, nous irons dans l'instant grain aux côtés de Dame Lucienne Toé, qui est justement notre personne ressource du jour. Et pour le volet artistique, Alrich et Edwin ont décidé de nous faire savourer leur performance en dessert. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Merci d'être des nôtres. Avant-dernier numéro de la semaine et toujours avec le même optimisme de bon aloi. Je suis jamais seule en compagnie de ma team, la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel burkinabé, pour vous faire comprendre. Bon, d'ailleurs, même si vous êtes là, c'est parce que vous avez capté que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Dis oui, Jacken, comment vous allez? Un nouveau jour se lève. Oui. Nous sommes enthousiasmés de retrouver certainement tous nos Mac 12 ans. Ces personnes-là même qui nous donnent cette joie, cette force de pouvoir nous exprimer. Et puis une fois de plus, nous n'avons que cette mission, cette tâche-là, de créer ce contenu alléchant, ce contenu important, certainement pour une très bonne vision du peuple burkinabé. Une fois de plus, bienvenue sur Jupiter et puis ben, nous allons faire un excellent voyage. Excellent voyage, c'est notre mission et le Mac 12 Airlines vient de décoller. Bonne arrivée, il est encore midi au Burkina Faso, à Ouagadougou et ici à True TV, la télé interactive. Restez all right. My sugar baby, oh yeah. C'est fou, j'aime bien cette chanson. Oui. Ça ne m'étonne pas. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi tu aimes autant la chanson? C'est la mélodie ou c'est, j'allais dire, le titre. La chanson? C'est le titre. C'est le projet même en lui-même. Le projet. Suga Dadi qui t'intéresse. Voilà. Et puis, bon, tu sais que moi, je n'ai pas le même problème que les filles de ma génération. À chacun ses goûts. Hein. Ah bon? Donc, quand j'ai entendu Suga Dadi, j'ai dit, ouh, ça va être ma sonnerie. Incroyable. Mais après, j'aime bien. Tout le monde est Suga Dadi à sa façon. Hein. Non, mais pour être Suga Dadi, il faut que tu sois un daddy d'abord. D'abord. En fait, un jeune ne peut pas être Suga Dadi. Toi, alors là, on t'appelle papa. Non, mais non. Oh, mais je ne suis pas un daddy. Daddy, c'est la génération papa, pressée, quoi. Daddy, c'est papa. C'est la version anglaise. Oh, non, écoutez, daddy. On ne va pas extrapoler les choses. On dit, quand on dit Suga Dadi, c'est daddy sucré, tonton, un papa sucré. Oui, c'est d'abord un tonton d'un certain âge. Voilà, d'un certain âge. Au minimum 40 ans. Il y a un âge? Oui, mais bien sûr. Oui. Ah, d'accord. Minimum 40 ans. Il faut minimum 40 ans. Et puis maintenant, il faut que tu aies les feuilles qui vont avec. Faudrait que tu sois sucré. Si c'est l'argent, là, on a l'argent, ce n'est pas un problème. Non, faudrait que tu sois sucré, tu comprends un peu. Le sucre, c'est quoi? L'argent. Et puis en plus, non, est-ce que tu as l'argent, mais est-ce que tu aimes donner? Est-ce que tu donnes? C'est ça aussi. C'est parce que de là que tu deviens sucré. Non, il y a des gens qui ont l'argent mais qui donnent pas. Non, il n'a pas l'argent. Ah non, il y en a, mais écoutez, on ne donne pas. On va pas. Moi, je ne vais pas rester dans un esprit de quelqu'un qui a des milliards et puis il ne sait pas donner 1000 francs, 10 000 francs. Bah. Ou bien il dit qu'il donne 10 000 francs et puis, bon, lui, il a des problèmes de main ou quoi. Je ne comprends pas. Non. Quand tu as, celui qui donne, celui qui tend la main, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a la chose. Et puis c'est mon esprit, c'est ma philosophie. Parce que si tu as l'argent et tu donnes l'argent aux garçons, aux hommes, là-dessus même, tu n'es pas un sugar daddy. Le sugar daddy, c'est la relation entre la jeune fille et le tonton. Donc lui, il est prêt à claquer 300 000, 400, 500 000 au cours d'une soirée pour cette jeune fille. Et là, on t'appelle sugar daddy. Sinon, quand tu es là, tu es dans un certain âge. Tu vois, tu es beau. Tu n'as pas l'argent. Toi, c'est papa de Grasso. Papa de Grasso. Voilà, ça, c'est différent. Ça, tu vois, tu n'es pas un sugar daddy. Oh, voilà, tu vois un peu. Toi, tu es un sel daddy. Donc, pas encore... si... voilà. C'est juste daddy. D'accord. Voilà. Sinon, il y a juste les cheveux blancs. Exactement. Sinon, sugar daddy. Il y a les cheveux blancs qui vont avec. Oui, mais bien sûr. À 40 ans avec les cheveux blancs. Il faut avoir cette. Tu vois les tontons qui sont. Oui, en fait, c'est vrai, il est âgé, il est très stylé. Mais voilà, il est frais. Souvent, et puis, il y a la couronne, tu vois, il y a un peu de. Donc, ils ne sont de pas blancs nombreux. Dans la barbe. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne coupent pas les rues. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont en raison des personnes. Ils ne sont pas nombreux, donc. Raffinées.
Tu vois un peu, Seigneur. Il relève d'une certaine éducation et d'un certain charisme qui, je crois, même a inspiré justement Mistania et Flobby à écrire ce merveilleux projet qui est un véritable délice, un véritable pansement pour les cœurs. En tout cas, de quoi savourer, de quoi s'amouracher, de quoi être en mode cola easy avec son petit cœur, son petit péché mignon, son petit gâteau au sucre, gâteau au lait. Flobby et Mistania, maintenant, c'est le titre à la une pour vous rappeler que nous sommes dans le mois de l'amour. Sugar Daddy. L'amour que tu me donnes, je peux jamais l'oublier. Le bonheur que tu me donnes, je peux jamais l'oublier. Je veux plus de pointeurs encore dans ma life anymore. Le bonheur que tu me donnes, je peux jamais l'oublier. My baby boo, oh, 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 hey, hey, hey. My baby boo. Flobby en tube à savourer sans hésitation quand c'est bon. Ambis. Allez, on va pas s'attarder aujourd'hui à discuter chez Gadadi. Le programme est tellement alléchant aujourd'hui, le contenu est tellement mielleux que j'ai juste envie de démarrer. On commence maintenant avec l'instant grain. De plus en plus, on s'intéresse à la cosmétique naturelle. Ça commence à faire ravage. Cependant, qu'est-ce qui attire tant? Quelles sont les motivations? Pourquoi nos esthéticiennes s'intéressent plus à cet univers? Ça tombe bien, nous avons une personne ressource sur ce plateau qui a justement troqué les micros, mais je dirais le micro, pour la cosmétique naturelle. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Une chose est sûre, aujourd'hui, elle s'en sort bien, étant donné qu'elle est la PDG de Tanales Cosmétiques. Bonjour, bon arrivée, madame. Lucienne Toué. Vous allez bien avec vous. Alors, plaisir partagé, c'est surtout nous qui sommes ravis d'avoir une dévancière sur ce plateau. C'est vrai, une doyenne dans le domaine du micro, et en plus, vous êtes convertie maintenant
dans la cosmétique. Est-ce que c'est vraiment une conversion? Est-ce que ce n'est pas une autre branche à son arc? Pour l'instant, j'ai rangé le micro. C'est vrai que lorsque je me suis retrouvée sur le plateau, et ça ne lâche jamais. Hein. Ouais. L'ambiance est féerique et tout. Je suis devenue nostalgique. Je vous regarde avec envie. Oh. Mais pour l'instant, j'ai troqué le micro. Et voilà. Mais pourquoi troquer? Vous aurez pu allier les deux. Voilà. J'ai voulu me spécialiser en communication, donc j'ai entrepris des études pour faire une thèse en communication politique, option communication gouvernementale. Et donc, du coup, je deviens un peu comme une consultante. C'est différent, la communication, elle est largement différente du journalisme. Et il faut dire que le contexte aussi ne me permet pas trop d'exercer cette profession-là qui est la mienne. Ah, ok, je vois bien. Alors, aujourd'hui, dans l'univers du cosmétique naturel, cependant, qu'est-ce qui vous emmène dans ce noyau-là, au fait? Qu'est-ce qui vous a attiré? D'abord, c'était pour répondre à un besoin personnel. Nous avons de l'asthme dans la famille, ce qui fait que moi, j'ai une peau hyper, hyper sensible. Même lorsque je prends un parfum qui est alcoolisé et que le parfum touche ma peau, j'ai tout de suite une réaction. Lorsque j'utilise un savon parfumé ou d'autres types de produits, j'ai des réactions. Initialement, notre maman est de la santé, elle est à la retraite bien sûr, c'est elle qui nous faisait les mélanges de beurre de karité, de glace et de citron. Et lorsque moi j'ai eu le bac, en jeune étudiante affranchie, j'ai voulu utiliser les savons parfumés et d'autres produits. Et j'ai utilisé le savon Fa par exemple, qui a failli m'amener à l'hôpital. Tellement la réaction, elle était poussée. Depuis lors, je suis revenue aux produits de base, beurre végétal, huile végétale, et l'expérience aidant, comme ça répondait à mes besoins, et avec les connaissances en recherche aussi, donc j'ai poussé les travaux, et aujourd'hui, je crée au gré de mon imagination, au gré de mes envies. D'accord. Au gré de votre imagination, de vos envies... J'ai envie de demander quelle a été peut-être la formation, parce que certainement pouvoir réaliser ces différents produits. Ça qu'il y a pas eu de... Est-ce qu'il y a une formation de base? Tout est appris sur le tas? Si, j'ai quand même 4 formations à mon actif. Ah, en fait, c'était ma question. Selon l'imagination, ça c'est risqué. En plus de peut-être l'héritage maternel, l'héritage familial. Oui, en fait, quand j'ai dit au gré de mon imagination, par exemple, le beurre de... Le fait de commencer à appliquer l'avocat, la chair de l'avocat sur ma peau est venu d'une expérience. J'étais allée à Adjamé, je réside à Abidjan. Donc, j'ai fait près de 3 heures au marché avec l'insolation et tout. Au retour, j'ai mangé de l'avocat avec... J'avais mis de la tomate et du sel, mais comme il m'en restait, je n'ai pas eu envie de jeter. J'ai écrasé l'avocat qui restait, j'ai appliqué sur ma peau, mais le résultat était extraordinaire. Et lorsque j'ai poussé, aujourd'hui je peux faire du beurre d'avocat, soit avec la chair, soit avec le noyau de l'avocat, ou soit avec l'huile de l'avocat. Okay. Et la tomate, l'expérience avec la tomate aussi est venue comme ça. Lorsque je veux avoir un effet et coup d'éclat et tout, je prends une demi-tomate, j'applique sur mon visage, j'attends des heures, 1 heure, 2 heures, et voilà. Oui, c'est rajeunissant, la vitamine C, c'est un antioxydant, et ça aide bien la peau. Donc, ainsi, au gré des expériences, ben, l'inspiration vient. Et ça dit que dans la cosmétique bio-naturelle, il n'y a pas de conséquences, c'est que les allergies, par exemple. Il peut y avoir des allergies, mais le risque est très réduit. Surtout si c'est 100% naturel. Lorsqu'on prend une huile végétale, de prime abord, ce sont des produits qui sont bons pour le ventre. Moi, je vais du principe que quand c'est bon pour le ventre, ça ne peut pas être mauvais pour la peau. Le tchekela, par exemple, le balanites ou daté du désert, on consomme le balanites. Il y a du jus de balanites, les gens consomment le balanites. Mais l'huile de balanites est comestible. Moi, j'utilise cette huile pour faire du beurre, du lait corporel, du savon. Et donc, dans la cosmétique naturelle, en fait, c'est un mariage d'ingrédients naturels, de beurre végétal, d'huile végétale, et comme émulsifiant, la cire d'abeille. La cire d'abeille, vous savez, elle est apaisante, elle est cicatrisante, elle est nourrissante. Donc, en somme, on prend soin de sa peau tout en préservant sa santé. D'accord. Cependant, est-ce que la cosmétique naturelle est plus ou moins efficace que la cosmétique conventionnelle?
Selon le besoin actuel, la tendance chez les jeunes dames ou les filles en général, et maintenant les garçons sont dans la tendance, c'est la dépigmentation. Donc, ça ne répond pas aux besoins de ces personnes. Parce qu'il y a des produits qui sont naturellement clarifiants, comme par exemple la papaye, le citron, la tomate, la carotte, mais chaque produit a un degré divers. Et ces produits ne peuvent pas permettre de passer de teint noir à teint clair, comme ils disent, teint métisse, métisse plus. Tu n'es pas né métisse, tu n'as pas de parents blancs et autres. Oui. Tu en peux fait, pas c'est, avoir... c'est la partie de toute l'histoire qu'on aime, que les gens n'aiment pas entendre. Oui, oui. Donc, pourtant, c'est la vérité. Mais avec la cosmétique, à partir des produits naturels, une peau qui est bien nourrie, qui est bien propre, elle est forcément éblouissante, elle a de l'éclat, on sent que vous êtes en bonne santé, la peau, elle est naturellement belle. Quelle que soit la teinte. Donc, moi, je pense que les gens ont plutôt intérêt à privilégier leur santé parce que la peau, elle est vivante, elle est innervée. On a des nerfs. Quand je me pince, je sens la douleur. Si je me pique, je saigne. Donc, il y a des vaisseaux sanguins, il y a des capillaires et des veines. Tout ce que nous mettons sur la peau, ça va dans le sang. Et vous savez que le sang circule dans tout l'organisme. C'est une question maintenant de santé. D'accord. Alors, les cosmétiques naturels, la plupart du temps, on vit là, ce qu'on raconte. Nous, chez nous, à Kappa, là, on dit, moi, je peux aller payer ma petite pommade à la boutique, là, parce que c'est moins cher. Parce que, oh, les cosmétiques naturels, elles viennent me dire, non, il faut prendre les produits naturels, prendre les produits naturels, mais c'est cher, c'est coûteux. Du coup, non, qu'est-ce qui... D'où cette inflammation des prix, en fait, pourquoi c'est que ça coûte, bon, on va dire, pourquoi... Parce que le Tchegala, le Balanites n'a pas pris de vol. Voilà, c'est le truc qu'on a trouvé au marché. C'est nos mamans qui nous envoient ça. Vous savez, quand on commence à travailler dans le domaine des produits naturels, c'est comme un travail artistique, c'est fermé. Tout ce qui est fermé, il y a l'inspiration personnelle, il y a la petite touche, c'est comme la cuisine. Vous et moi, nous pouvons savoir cuisiner le riz, mais vous pouvez faire du riz cantonné. Moi, je peux faire du riz avec du poivre, avec du riz, ainsi. Il y a plusieurs astuces. Et tout ce qui touche à la main, qui devient artistique, en réalité, souvent, c'est difficile de rentabiliser. Le coût de production est cher. Regardez la cire d'abeille, par exemple. Pour avoir de la cire d'abeille, il faut commander soit à Fadan Gourmand ou bien à Mangodara. Donc, dans des zones où on a beaucoup plus de miel. La cire vous arrive et vous devez faire fondre la cire, et filtrer. Et comme moi, je veux valoriser la cosmétique à base de produits naturels, il faut mettre l'aspect esthétique. Donc, il faut mettre dans des moules comme les moules de savon pour qu'au regard, ça puisse attirer. Mais mine de rien, pour que je puisse sortir 100 boîtes de beurre, je vais passer 8 heures. 7 à 8 heures. C'est tout un processus. C'est tout qu'il faut aseptiser. Le cadre, ainsi de suite. Ce qui fait que, généralement, en tout cas pour ce qui me concerne, généralement, le coût est légèrement élevé. Okay, non, vu tout ce qu'elle vient d'expliquer là, moi-même je soutiens. Là, vous m'avez convaincu. Vas-y, Dewache, avant que je pose. Une autre chose, c'est peut-être l'homologation de vos produits. Je ne sais pas si tu avais ça dans ta question. C'est l'homologation. Comment rendre crédibles vos produits, certainement, dans toute cette ligne de gamme de produits que nous retrouvons facilement sur le marché, qui sont reconnus et certifiés? Cette question est... Par exemple, au niveau de Tanalex, le beurre végétal que nous utilisons, nous avons 3 beurres végétales et 1 beurre animal. Donc, le beurre de cacao, le beurre de karité, le beurre animal, c'est le beurre de lait de vache qu'on appelle Naré ou Silmicam Amoré. Et il faut faire analyser au niveau du laboratoire national de santé publique. Il y a jusqu'à 4 paramètres qu'il faut faire analyser. Et chaque paramètre, on a autour de 20 et quelques mille francs. Donc, lorsqu'on veut faire une production en quantité, il faut prélever l'échantillon. On va vous demander plusieurs échantillons scellés que vous allez soumettre à l'analyse. Et l'analyse peut prendre entre... Ça dépend des produits. Quelquefois, ça prend un mois, quelquefois, ça prend plus de temps. Et lorsque vous avez vos produits de base qui sont certifiés, parce que dans les paramètres, il y a des études de bactériologie et autres. Donc, à partir de cet instant, vous avez quand même vous pouvez affirmer à 80% que le produit, il est sain. Tout en prenant en compte les mesures d'hygiène.
parce que c'est très important, surtout quand on n'utilise pas des ingrédients chimiques, par exemple, pour la conservation. Au niveau de Tanalex, tout est naturel, du produit de base jusqu'à la conservation. Par exemple, le conservateur, c'est le Cosgar, qui est un conservateur végétal. Lorsque vous prenez la liste des conservateurs, c'est celui-là qui est classé numéro 1. Alors, l'émulsifiant, c'est la cire d'abeille. C'est un produit naturel. Mais il faut dire que ceux qui connaissent la transformation au niveau de la cosmétique, je ne parle pas des chimistes de table, qui prennent une cuillère et autres. Parce que même les outils, il y a des outils qui s'oxydent. Donc, on ne peut même pas utiliser dans la cosmétique. Donc, lorsque vous utilisez, par exemple, ces ingrédients, il y a une question de température. Il y a des points de fusion, par exemple, pour faire du lait. Le lait, par exemple, c'est de l'eau. Donc, il y a une phase aqueuse et une phase grasse. Vous pouvez prendre du beurre, de karité, par exemple, mais vous allez être obligé de réduire ça à une phase liquide pour avoir de l'huile. Donc, vous faites les calculs. Le lait, par exemple, vous pouvez aller entre 35 et 65%. La crème, pareil, vous dosez selon ce que vous voulez. Mais il y a ce qu'on appelle le point de fusion. Souvent, il y a des cires, il y a des émulsifiants, par exemple, où il faut aller jusqu'à 75 degrés. Donc, c'est une question de température. Et à un certain niveau de température, vous savez bien que les bactéries vont se chercher. Donc, en fait, à vos entendre, c'est-à-dire qu'il faut quand même maîtriser les calculs, les mathématiques, pour pouvoir être vraiment une pro de la cosmétique naturelle. On ne se lève pas là, on reste deux gobelets là, trois... Non. C'est tout ce qui est dangereux, c'est au niveau de la fabrication du savon. Chaque huile a ce qu'on appelle un indice de saponification. Et c'est l'indice de saponification qui vous permet de savoir quelle est la quantité de soude, quelle est la quantité d'eau à utiliser. Je prends des exemples au hasard. Lorsque je prends le beurre de karité et que je donne comme exemple son indice de saponification 1,23. Et que je prends l'huile de coco, son indice de saponification 13,24. Je prends l'huile de palmiste, ainsi de suite. Il faut que je fasse des calculs. Et ensuite que je vienne faire la sommation pour trouver, selon les 5 kilos de savon que je vais produire, quelle est la quantité d'eau et la quantité de soude. Et on ne met pas l'eau dans la soude, sinon on a une explosion. Nous, on a physique chimie à l'école. Oui. Et après, il y a un temps de cure. Il y a un temps de cure. On dit qu'il faut laisser le savon mûrir et tout. Il y en a qui vous font le savon, ils prennent les cours de physique chimie de la troisième, ça te rattrape. Ça sert, hein? Ça sert, c'est pourquoi? Après, il ne faut pas penser que c'est LN plus EX. Non, c'est dit que c'était pas nécessaire. H2SO, quoi, pour nous, c'était pas utile. Mais là, oui. Cher chimiste. Après, tout de suite, merci. Passe dans le micro, tu n'as pas besoin d'une formule. Alors, moi, j'avais une question. Mais après, madame, est-ce que, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que aujourd'hui, est-ce qu'on peut véritablement parler de cosmétique bio? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la conservation, c'est à travers des produits naturels. Ça, c'est bien. Même l'emballage, il y a vous avez recours à certains bocaux qui sont faits industriellement. Donc, même les étiquettes et tout ça, est-ce que tout peut se faire vraiment de façon bio? C'est possible, mais ça requiert beaucoup de moyens. Et d'abord, pour déclarer qu'un produit cosmétique est bio, il faut une certification d'une structure bien spécialisée après avoir effectué des analyses au laboratoire. Déjà, c'est très coûteux. La certification, il faut payer la prise en charge de l'expert, la structure, c'est vraiment une question de beaucoup d'argent. Et la certification, ça va au-delà de la cosmétique. Pour ce qui est des emballages, à ce niveau, il faut faire très attention. Parce que quand on prend des bocaux en plastique, il y a des produits chimiques qui peuvent intervenir dans la fabrication des bocaux en plastique. Bien sûr. Même les assiettes en plastique que nous utilisons pour manger et autres, quelquefois on vous dit non, ne mettez pas du repas chaud et tout. Mais... moi, je dirais c'est possible, mais pas à 100%. D'accord. Il faut toujours émettre une réserve. Okay. C'est mon point de vue. Alors, parlons justement de conservation. Moi, je veux savoir, est-ce que les produits naturels peuvent tenir 2 ans, en fait, ont une longue durée de vie, comme les produits conventionnels, les produits industriels? Ouais. Donc, je ne vais pas payer ma pommade. Lean Bounty, je sais que Lean Bounty, dessus, ils ont mis 2 ans, 3 ans
Avant que ça s'expire. Est-ce qu'on peut avoir un tel résultat avec les produits naturels? Pour ce qui concerne l'expérience que j'ai, comme je dis, je suis doctorante en communication, mais pas en cosmétique. Pour l'expérience que j'ai avec les formations que j'ai fait et que j'ai reçues, déjà le beurre de cacao, lorsqu'on analyse au laboratoire national de santé publique ici au Burkina Faso, sur le résultat que j'ai, c'est mentionné périssable dans un délai de 18 mois. Okay. Au bout de 18 mois, le beurre de cacao, tout comme le beurre de karité, ça perd ses vertus. Ce n'est pas qu'on ne peut plus l'utiliser, mais ça perd ses vertus. Et souvenez-vous que je disais tout à l'heure, par principe, je dis, ce qui est bon pour le ventre, je l'admets pour ma peau. Donc si au-delà de 18 mois, mon beurre n'est plus, devient impropre à la consommation ou perd ses vertus, je ne l'utiliserai pas, même si c'est pour ma peau. Et une autre chose, la conservation. Les conservateurs, un conservateur végétal, il y a des spectres de bactéries, par exemple, que ça ne peut pas couvrir. Donc, si les mesures d'hygiène ne sont pas complètement respectées, c'est difficile. Okay. Moi, je dirais à la limite un an. Un an. Donc, pour calculer la durée de vie d'un produit naturel, il faut prendre en compte, je dirais, les dates de péremption de tous les produits que nous allons associer. Associer. Ok, voilà qui est bien dit. Parce qu'il y a des huiles qui s'oxydent vite. Okay. Il y a quelque chose de très fréquent que nous voyons ici. Nous avons grandi là-dedans. Par exemple, nos mamans au marché, quand on arrive, il y a le beurre de karité qu'on retrouve certainement dans des plats. Et après, on ne sait pas quel est le début de la fabrication, quelle la date également d'expiration. Qu'est-ce que vous pensez à ce stade-là, de ce commerce-là? C'est assez risqué quand même. Déjà, le beurre est une matière grasse qui prend de la poussière, donc rapidement qui devient un nid de bactéries. Lorsque nous avons affaire à du beurre, nous faisons la stérilisation à 40 degrés. 40 degrés, ça nous permet d'avoir un beurre qui est propre à la consommation. Et dès que le beurre est stérilisé, filtré, il est mis dans un bocal fermé hermétiquement et mis au congélateur. Et en quelques minutes, le beurre se solidifie et personne n'ouvre le beurre là si ce n'est pas le consommateur. Ce que j'ai trouvé comme astuce, par la force du hasard, quand j'ai commencé, parce que j'ai vraiment commencé par hasard, j'étais allée en visite au marché de Saint-Aba et j'ai vu des vieilles dames. Et aujourd'hui, elles sont devenues mes productrices. Elles produisent à leur rythme. C'est vrai que je ne peux pas faire face à une très grosse commande. Elles produisent à leur rythme et quand c'est disponible, nous récupérons. En ce moment, on a une idée de la date de production. Et le laboratoire aussi peut déterminer. Maintenant, pour les autres beurres, on l'utilise pour le savon. Ok. Parlons justement de production. Est-ce que la cosmétique naturelle peut faire face à une grande commande, à une grande demande? Oui, ça demande beaucoup de moyens. En ce moment, on passe à une étape d'industrialisation. À un moment donné, il me fallait un appareil pour la mise en boîte. Sinon, il fallait mettre boîte par boîte. Et il faut un mélangeur. Par exemple, le mélangeur de 35 kilos, on va vous dire 2 500 000. Oui. En fait, ce sont des outils à peu près qu'on utilise dans le domaine de la pâtisserie. D'accord. Et du coup, il faut combien de millions, je dirais, comme ça, au moins le capital de base pour investir dans cet univers? En 3 ans, je suis à un niveau d'investissement de 30 millions. En 3 ans. En 3 ans. Est-ce que ce truc est rentable? Bon, moi, je veux me lancer dedans. Ouais. Mais si je mets 10 millions, 40 millions, est-ce que c'est sûr que je pourrais au moins rentabiliser à 100%? C'est rentable. C'est rentable et on gagne à tous les coups. Financièrement, on gagne. La tendance aujourd'hui est le retour aux produits naturels. Les gens veulent prendre soin de leur peau tout en préservant leur santé. C'est rentable sur le plan humain. On se sent utile parce qu'on arrive à répondre aux besoins des gens. Sur le plan relationnel, on est très enrichi. Donc, on gagne à tous les niveaux. Est-ce qu'on peut avoir la richesse, elle est relative. Hein? Est-ce qu'on peut avoir le même résultat que les produits conventionnels, si j'utilise les produits naturels? Est-ce que j'aurai le même résultat? Par exemple, je prends au niveau des crèmes solaires, par exemple. Si je veux protéger ma peau, est-ce que j'utilise des produits naturels? J'aurai le même résultat que des produits importés? Je vous recommanderais plutôt les produits naturels.
Tout à l'heure, quand j'attendais, je me suis amusée à regarder un peu les indices IV et IVP de certaines huiles. Par exemple, nos huiles ici, au moins vous savez ce que vous mettez sur votre peau. Lorsque vous prenez l'huile de coco a un indice de protection. Si vous prenez l'huile de ricin, non seulement ça va éviter que votre peau se dessèche et ça a un indice de protection. Le beurre de karité est le meilleur. Vous voyez, si vous partez au lac Rose, vous allez voir que pour l'extraction du sel dans l'eau du lac, c'est le beurre de karité qu'ils utilisent pour enduire leur corps. Alors que l'eau est saturée. Pour qu'il y ait Oui, des grains de sel, il faut une certaine saturation. Donc, et l'huile de carotte, ça contient de la bêta-carotène qui vous protège du soleil. Ça contient, puisque c'est fait avec une huile de base qui contient de l'oméga-9, des acides aminés, des antioxydants, de la vitamine. Et le tout avec de l'oxyde de zinc, vous avez votre protection IV jusqu'à 50%. Et même l'huile de potiron, je ne connais pas son nom en moré. En djoula, on appelle ça djé. On met ça souvent sur du riz gras. Voilà. L'huile de potiron, par exemple, est plus riche en bêta-carotène que l'huile de carotte. Mais malheureusement, ce n'est pas connu. Est-ce que tout ce qui est naturel doit intégrer ou interagir dans la cosmétique naturelle? Je n'ai pas tout expérimenté. Difficile de répondre à cette question parce que ce serait avec beaucoup de prétention. Là, j'y vais. Moi, je suis dans la cosmétique avec un regard de chercheur. Je transpose les connaissances en recherche que j'ai dans le domaine de la cosmétique. Par exemple, ce que moi j'utilise dans la cosmétique, c'est la carotte, la tomate, le citron. Le citron, par exemple, on l'utilise de plusieurs façons. On utilise le zeste, on utilise même le zeste et la pulpe et le jus en même temps. On utilise la tomate et on utilise la pomme de terre avec sa peau séchée. Et on utilise de l'avocat, la chair, le noyau, l'huile. Vraiment tout, c'est. Oui. D'accord. Alors, Le produit dans son grand complet, c'est dans clair. son grand, Alors, dans sa grande l'ultime entièreté. question, je sais que je suis sûr que toutes les jeunes filles se demandent, c'est que comment. C'est comment se positionner dans cet univers. Aujourd'hui, vous êtes devenue une référence aujourd'hui. Donc, comment se. Parce que moi aussi, j'ai bien envie de me lancer. D'autres, même, elles s'y connaissent un peu, mais elles n'arrivent pas à avoir de la clientèle. Elles n'arrivent pas à atteindre ou à toucher la cible. Il faut commencer par conquérir la clientèle en mettant à leur disposition des produits de qualité. Un client satisfait devient un ambassadeur. C'est lui qui va faire votre publicité. Mais un client que vous perdez parce qu'il n'est pas satisfait, il ne reviendra plus. Au contraire, il vous fera une publicité négative. Moi, j'ai eu la chance à cause de mon profil. Ce sont mes connaissances qui, d'abord, qui étaient surpris, qui ont commencé à essayer. Et comme j'ai occupé des postes de responsabilité, donc ceux qui sont à ce niveau social ont été de bons relais pour moi. Ok, donc Disons que j'ai parce eu un peu. qu'après, c'est parce que le résultat était Donc, satisfaisant. il faut juste miser sur la qualité La du qualité. produit et puis. Et il faut travailler à rendre le produit accessible. Ouais. D'accord. Alors, bon, finalement, tout ce va que vous avez dit terminer. jusque-là, ouais, c'est tellement bien beau. C'est utiliser les produits cosmétiques bio, c'est naturel, c'est bien pour la santé. Donc, on sait que vous êtes confronté à des difficultés vis-à-vis donc de cette concurrence forte. Face donc à l'industriel, hein, les produits cosmétiques Ou même les industriels, chimistes ouais, maison aussi, les les chimistes chimistes et d'État. tout ça. Donc, au plus haut sommet de l'État, si par exemple le Premier ministre nous suit actuellement, qu'est-ce qu'il faudrait faire vraiment pour vous accompagner afin que vous explosiez vraiment dans ce domaine? Je pense que là, je me projette dans le domaine de l'entrepreneuriat pour répondre à votre question. Nos dames qui sont dans la production des produits locaux, elles font un travail merveilleux. Seulement, elles manquent d'instruction. Vous allez voir au niveau des foires, les dames, elles viennent avec l'huile de baobab, l'huile de balanites, l'huile de carapa procera, mais la présentation reste à désirer et elles ne sont pas en mesure d'expliquer les vertus des produits. Figurez-vous, par exemple, que lorsque vous prenez les crèmes pour lutter contre les psoriasis, les problèmes de peau de façon générale, lorsque vous regardez la notice, vous avez du carapa procera. Le Burkina produit cette huile-là, c'est tout dans la zone de Horodara, en quantité. Et ça tue les poux, les dermatites sévères, tout ce qui est teint et autres. Mais c'est un trésor que nous avons, mais elles ne sont pas en mesure d'expliquer. Actuellement, moi, je travaille, par exemple, sur un projet, la transformation de l'amande de noyau de mangue.
qui va permettre d'être un plus pour la filière mangue. Les pots de mangue, on jette. Pourtant, ces mêmes pots de mangue qu'on jette, on peut les récupérer pour faire de l'huile aux acides de fruits rouges, sous forme de macérat. Les noyaux, par exemple, qu'on jette, même les porcs n'arrivent pas à manger les noyaux de mangue. Alors que les noyaux, on peut l'exploiter, enlever la manne. Jusque-là, c'est difficile pour moi parce que moi, je conservais la manne au frais. Maintenant, j'ai acquis un déshydratateur électrique bientôt. Par exemple, ça, ça a un coût. Le déshydratateur électrique de 25 tiroirs, ça fait 585 000. Le déshydratateur à gaz, ça fait 300 000 francs, 10 tiroirs. Le séchoir solaire, ça fait 200 000. Donc, si on arrive à sécher l'amande de noyau de mangue, non seulement c'est riche en collagène naturel, c'est riche en sels minéraux, on peut l'utiliser même comme complément alimentaire, donc sous forme de gélules. On peut l'utiliser comme intrant cosmétique, donc pour les masques de visage, les gommages et tout. Et on peut l'utiliser sous forme de macérat d'huile. En obtenant cette huile du noyau de mangue, on fait du beurre de mangue. Donc, en somme, c'est que le ministère, ou bien je dirais l'État, investit dans la formation de nos mamans, en fait, afin qu'elles puissent mieux vendre leurs produits, expliquer surtout. Faciliter l'acquisition des crédits. Jusque-là, moi, j'ai fonctionné sur fonds propres avec le système de tontine. Oui, le système de tontine, je vais jusqu'à 850 000 francs de tontine par mois. Mais j'ai voulu dernièrement... Vous êtes une maman tontine aussi, en fait. Pardon? Vous êtes non. une maman tontine. Non. J'ai réduit les risques en allant pas avec le même groupe. Mais, et par exemple, les financements, le taux d'intérêt. Vous allez prendre 2 millions, vous allez rembourser avec un intérêt de 400 à 500 000 francs d'intérêt. Donc, il faut aussi faire les ouvertures au niveau de la banque. En tout cas, merci beaucoup à vous, Dame Toé, d'être passée sur le plateau. Bonne, je dirais, longue vie à Talanès. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passée. Alors, on va vous raccompagner avec l'une des merveilles de Alrich. Je crois que c'est son tout dernier, non? Oui. C'est Pang Sopso. C'est ça, non? Pang Sopso. Sinon on te calcule pas. C'est le plus fort du village qui va gérer la plus belle du village. Ah champion, est-ce que tu pourras? Ah tonton, est-ce que vous pourrez? Ah champion, est-ce que tu pourras? Ah tonton, est-ce que vous pourrez? Bang sans bonso, force à Disa. Bang sans bonso, force à Disa. Tu peux poser ta candidature, mais est-ce que t'as les biceps? Le réseau est plein et le réseau est saturé. On connaît la recette. Et c'est comment alors? Est-ce que tu tiens le coup? Mais c'est comment alors? Qui va gagner la coupe? Ah champion, est-ce que tu pourras? Ah tonton, est-ce que vous pourrez? Ah champion, est-ce que tu pourras? Sa chose, c'est pour lui la chose vraiment. Tous les enfants de maintenant, là, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés. Vous parlez de... C'est philosophique. Pour ça, le bisan, pang, sop, un saut, c'est dit que
voilà, les seins d'une femme, d'une fille appartiennent à celui qui a la force. Voilà, ça, c'est traduit de façon littérale. Voilà, c'est, on a essayé de matérialiser seulement. Sinon, c'est par exemple Suga Dadi là. Mm-hmm. Voilà, les Suga Dadi viennent prendre les goûts de nos jeunes frères. Oui, c'est parce qu'il peut. C'est les pensions. C'est ça. C'est scrogneux. En tout cas, bonjour et bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bienvenue. Vous allez bien, les garçons? Oui, ça va très bien. Super. Edwin, c'est bon, j'ai pas doucement. Ah, moi, il était Dio. J'ai vu l'émission là, j'ai dit, yeah, il est comme ça, hein. Parle doucement comme ça. Ta gosse sait que tu es comme ça. Je suis quoi? Voilà. Mon frère, faut occuper ta place quand même. Par contre, sécuriser. Celui qui me surprend agréablement, oui. C'est Alrich. Ah oui? Oui. Ouais. Parce que je connais, je t'ai vu quand même dans les débuts. Mmh. Et l'Alrich timide qu'on recevait sur ce plateau, à qui on était obligé de tirer des vaches, qu'on le pousse à parler. Tu poses que c'est. Mais là, je suis vraiment surprise ton accueil, ta manière d'entrer aujourd'hui sur le plateau, de te tenir. Waouh! Félicitations! Véritable maturité, c'est bien. Même le style de musique a changé, tout ça. Ouais, en fait, moi, j'essaie beaucoup d'univers, j'essaie beaucoup de choses. Donc voilà, c'est ça qui a fait, j'ai créé ce son encore. Et tout, voilà. Et aujourd'hui, c'est du Amapiano, c'est ça? C'est du Amapiano. Attends, c'est parce que cette tendance là, vous tous maintenant faites Amapiano. Non, même pas. Moi j'essaie tout en fait. C'est quand ça me parle, moi j'essaie. Je peux faire demain et puis c'est du zouk. Ouais. Voilà, donc. Ah ouais? Ouais, t'es pas en rapport comme un artiste. Yeah. Bon, pas forcément, mais moi je pense que rap là c'est juste écrit bien. Bon, écrit. Tout. Maintenant, si tu peux écrire sur du zouk ou sur du quoi, faut pas juste te dénaturer. Si dès le début tu disais pas, je sais pas, je t'aime, faut pas que parce que c'est du zouk tu vas dire ça. C'est juste, voilà, ça doit être ton univers à toi et tes créations. C'est du folklorique parce que voilà. Le pourcent de Vincent Pansom, sauf ça, c'est nos mamans, elles chantaient ça en chœur. Bon, je prends même ton mot finalement. C'est toujours avec Smati? Je ne peux pas laisser Smati. Smati, en fait, c'est mon mentor, c'est mon gars sûr. Donc, voilà. Parce que la question, elle est propice. Oui, elle c'est est ton très, mentor, elle est parce qu'il a encore. Vas-y. Parce qu'après, d'aucuns croyaient qu'il y avait un projet de production. Oui. Voilà, c'est la question. Donc, sinon, je sais que Smati est le mentor. Smati qui te produit. Oui. En fait, Smati, c'est un tremplin. Voilà. Et puis, ce tremplin, ce n'est pas encore fini. En réalité, il y a des projets qui arrivent dont on ne peut pas parler. C'est justement le fait de pouvoir séparer Alrich de son grand frère que voilà, il y a certaines pauses et tout. Mais sinon, c'est plus un tremplin. C'est parce que quelqu'un qui aime la musique d'un autre artiste et puis qui essaie de voilà, en tant que devancier, c'est plus dans ce sens là. Alors, tu as fait une véritable pause, hein. Depuis un moment, tu n'entendais plus. C'est l'hibernation. J'étais vraiment une hibernation. C'est sûr, nous, tu as parlé français à midi. Tous les hibernations. Je te dis. Dans mon émission. Envoyez-moi dictionnaire. Il veut hiberniser l'émission. J'étais dans des réflexions bizarres. C'est quoi? C'est une sorte de dépression? C'était exactement de la dépression. De la dépression? Pourquoi? Ouais. Plein de raisons, hein. C'est pour beaucoup de choses. Donc j'ai eu tendance à sombrer réellement et puis à ne pas me retrouver. Et puis ouais, au point où je n'aimais plus écouter de la musique. C'était grave parce que le showbiz était facile, tu allais venir là t'accueillir à bras ouverts. Non, pas forcément ça, mais c'est même pas juste l'accueil du monde ou quoi, mais il y a eu beaucoup de choses que ça m'a giflé. Et aujourd'hui tu es de retour, qu'est-ce qui t'a permis à te relever? Et j'ai pensé à moi et puis à ce qui m'avait poussé à commencer. Et puis, j'ai eu à faire des chansons là. Où non, je pense que je ne peux pas garder ça seul. C'est trop vénère. Du loup, dans la cuisine. Non, c'est du loup. C'est il ne faut pas du loup. C'est du loup. C'est vénère. C'est du loup. Plume légère. Il prépare toujours du loup. C'est clair. Alors, aujourd'hui, on te retrouve. Moi, ta dernière vidéo qui est très virale actuellement, c'est la société Suspect. Oh, ouais.
de Suspect 95. Ouais. Franchement, chapeau. Enfin, merci. Quelqu'un qui a représenté dignement le Burkina. Merci, merci. Merci. C'est vrai qu'il n'est pas seul, mais ils sont pas franchement, nombreux. Oui. Voilà. Moi, on attend aussi Francky FP, j'ai vu. Francky FP, il y a Marco. Il y a Marco. Il y a Black Dany. Black Dany aussi. Et il y a Suspect 95 aussi, non? Et pardon, il y a 95, si je ne me trompe pas, c'est ça. J'ai vu un gars qui dit s'appelle 95 quelque part. Là. Non, il y a beaucoup de clowns aussi qui ont effectivement participé. Non, c'est pas de clowns. Je ne parle pas de seulement au Burkina. Il dit il y a des clowns, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes. C'est la réalité. Bon, après, c'est leur domaine, c'est leur langage à eux. On t'accorde ça, ok. Pas seulement au Burkina. Je parle de. Il y a Suspect, par exemple, qui a posté des gars qui étaient là juste pour fatiguer les gens. En réalité, c'est juste pour qu'on. D'accord. Voilà. Alors, ma question est pourquoi ce genre de choses-là, vous n'en faites pas ici? Pourquoi ça ne prend pas ici? Pourquoi c'est quand ça quitte ailleurs, ça mousse? Ça, c'était Alrich qui avait lancé ce truc-là. C'est clair qu'il allait passer inaperçu. Par exemple, pour ça, il fallait que j'allais appeler certaines personnes que je connais particulièrement pour dire, yo, j'ai fait ça, est-ce que tu peux suivre le truc? Et puis peut-être que là, il y a d'autres qui allaient suivre. Parce que, bon, j'ai la chance de connaître aussi beaucoup de jeunes artistes rappeurs qui sont quand même très bons, qui allaient peut-être suivre. Mais est-ce que le public, parce que en Côte, là, les gens ont vraiment poussé son projet réellement. Oui. Le public, tout le monde, on a poussé le projet. Maintenant, ici, là, il y a nos réalités aussi. Nos réalités aussi, on va pas se mentir, c'est ça aussi. Avec beaucoup de réserve en fait. Ouais, j'essaie de vraiment parce que sinon tu dis bonjour, on t'allume un petit peu. Mon cher, enfant de star. Il y a des directs, on fait pas ici. Enfant de star et fiole de star, il connaît les réalités quand même du terrain. Yeah. Alors, on va revenir tout à l'heure. Je vais m'intéresser rapidement à Edwin. Edwin, avant de parler avec toi, je laisse le monde entier savourer ton projet. Il n'y a pas de soucis. Super. C'est ce que tu me fais. Après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'on a partagé, bébé, c'est ce que tu me fais. Ça fait des mois que je te cherche, oh. Déjà toi tu m'avais déjà mis à déco. Je suis parti voir tes parents, ils m'ont dit que t'as voyagé. J'ai même demandé ton numéro, tes soeurs ont refusé de donner. Bébé, je me demandais pourquoi. Tu as dit soir ou sans laisser de nouvelles de toi. Déjà c'est ce que tu me fais, fais. Tu as laissé ton entourage de convaincre de me quitter. Ma fée, pourquoi tu les as écoutés? Parce qu'on n'est pas de la même religion. Ta famille me traite comme si j'étais déjà dans personne. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait trop mal, 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 ça fait mal. Ça fait trop mal, 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 ça fait mal, ça fait mal, ça fait trop mal, 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 ça fait mal. Ça fait trop mal, 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 ça fait mal, ça fait mal, ça fait trop mal, 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 ça fait mal. Ça fait trop mal, 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 ça fait mal, ça fait mal, ça fait trop mal, mal. Waouh, bravo! Franchement, je suis fier de mon pays. De plus de jour en jour, on découvre de nouveaux talents. Mais attends, dans la musique, là, comme ça, t'es très extraverti, puis sur le plateau, t'es introverti. Comment ça s'explique? Comment tu arrives à te chauffer, au fait? Cette transformation, là, métamorphose, papap, là, comment ça se fait? Je ne sais pas. Ouais, bon, c'est naturel. Peut-être qu'avec la musique, ça me parle plus. Peut-être c'est ça. Yézi. Je me sens à l'aise. Hein. Quand tu dragues, il faut te dire, elle est dans ta voix, là. Et puis on te voit. Mais les filles aiment ça, ça là ça prend. Hein. Ah, moi j'aime les filles. Quand ils parlent un peu comme ça. C'est à cause de ça que tu chantes l'amour là? Non, pas forcément. Mm-hmm. Pas forcément. Parce que ça m'a parlé. Mm-hmm. J'ai trouvé que bon, les jeunes de nos jours voilà, subissent par exemple des rejets parce que tu es avec une personne qui n'est pas de la même religion et tout. Et puis après, juste pour ça, on te dit bon, c'est pas possible. Soit on vous laisse, au lieu de vous décourager dès le départ, on te laisse. Voilà, pour que tu t'investis dans la relation. Voilà, et puis après, on te dit, bon, c'est fini, quoi. Après, il faut te conseiller toi-même, c'est mieux. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène à la musique? Qu'est-ce qui t'a emmené à la musique? Donc, j'ai grandi aussi dans une famille, voilà, où les gens aussi avaient des liens avec et la musique, des instrumentistes, beaucoup de trucs comme ça. L'apprentissage a été facile. Ouais, l'apprentissage a été facile parce que je l'avais dit une fois ici, voilà, que le papa était guitariste par passion, donc il a même accompagné beaucoup d'artistes et tout. Donc ça fait que j'ai écouté pas mal de styles de musique, donc c'est ça aussi qui m'a poussé dans la chose. Et je viens me demander aussi, tu es très talentueux, personne ne peut le nier. Cependant, les scènes, c'est comme... C'est ton manager qui est gonflé, mais c'est toi-même. Non, c'est pas moi. C'est pas mon manager.
Dis-moi, raconte un peu. Allons-y, vas-y, on pose. Hein. Ouais, y a pas de souci. Bon, je me dis que peut-être que c'est parce que je suis nouveau et que, bon, à notre manière aussi, on essaie de se développer, voilà, et d'établir aussi notre réseau. Notre connexion, c'est ça. C'est que, donc, tout ne peut pas venir comme ça d'un seul coup. Toi, en tant que, je dirais plus, nouveau maintenant, on dira, génération intermédiaire. Intermédiaire, voilà. Quel conseil tu lui donnerais? Ouais, moi, en tout cas, j'aime beaucoup sa musique. Hein. Donc, je pense que ça va se développer. Ça va se développer et puis, voilà, se faire connaître par ci, par ça. Et puis, voilà, c'est les salles. Ça va remplir les salles. La meilleure manière de se faire connaître quand on débute. Déjà venir ici, c'est déjà bien. c'est déjà ça. Et puis voilà, maintenant sur les réseaux sociaux, il y a des astuces que en tant qu'artiste créateur, c'est compliqué. Mais il faut confier peut-être à quelqu'un qui maîtrise la chose. Et puis voilà, ça va se développer. Et puis c'est super. Donc 2023 s'est lancé. Oui, effectivement. Est-ce qu'on ira sur des séries de singles ou bien vous allez nous offrir enfin des albums ou des EP? Vous avez sorti par la maison. Non, il se peut t'aider. Lui, je pense qu'il pense toute sa journée à écrire. Et on fout de l'écriture. Dis-moi, Edwin. Oui. On part pour un album, enfin, pour 2023, ou série de singles? Tout est question de stratégie. Et donc, comme c'est avec une équipe que je travaille, c'est au fur et à mesure qu'on va établir nos projets. Mais tout ce que je peux dire, si c'était, par exemple, vous parler d'album, peut-être que je serai à mon deuxième album. Bon, voilà, oui. Parce que j'ai pas mal de projets de tout style quand même, voilà, déjà dans le frigo. Wow. Voilà. Et les featuring, on en parle, ça sera aussi pour 2023. Bien sûr. 2023 aussi. Bien qui sûr. En vue international ou national? National pour national. L'instant. Il y avait Rasben sur ce plateau qui disait que c'est mieux d'aller chercher à l'international, parce qu'au Burkina, les cachets sont peu. C'est vrai? Il est beaucoup plus vieux au Ghana. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je pense que ça dépend parce qu'il y a des artistes qui quittent ailleurs, qui viennent prendre des gros cachets ici. Ouais. Voilà, donc ce n'est pas le fait de faire de la musique. Peut-être c'est le fait de faire de la musique au Burkina en tant qu'artiste burkinabé. Mais même ça, je pense qu'il y a des gens qui prennent des gros cachets et tout et tout. Et puis bon... Moi, je pense que tout ça va, ça. Aujourd'hui, je pense que si tu veux exploser de la musique, il faut voyager. Il faut, par exemple, aller te faire connaître, par exemple, à Abidjan. C'est un moyen, tu vois. C'est un moyen de... Quand tu pars là-bas et puis tu fais un projet, par exemple, ça déteint au Burkina. Ah. Et puis, je pense que ça aussi, c'est un problème. D'accord. Voilà, on ne peut pas être là à suivre les pays comme ça. Je pense que nous aussi, on peut parler, on peut faire des choses et tout, et puis développer nos projets. Edwin, tu partages le même avis? Pourquoi pas? Pour la première question, je dirais peut-être que c'est en fonction des difficultés que chacun rencontre. Parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses, de rencontrer les gens. Chacun a ses réseaux, ses connexions. Donc tout dépend de tout ça. D'accord. Voilà. Aller à Abidjan ou c'est d'abord revenir à Ouaga? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais il y a des gens aussi qui mousent directement du Made in Burkina. Donc, d'accord. Ça peut être la chance, ça peut être aussi, je ne sais pas, mais tout dépend en fait. De toi, voilà. De chacun. Alors les gars, nous sommes au thème de notre émission. Okay. Rapidement, un numéro de téléphone en disant aussi, en invitant tous vos fans à aller savourer vos derniers. Le dernier titre. Okay. Moi, c'est 65 09 86 03. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas encore kiffé ton dernier, c'est YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis maintenant, il y a tous les sons aussi sur les plateformes de téléchargement. Petit Monde, tout ça. Allez vous en jaillir. Ouais, d'accord. Edwin? Le contact managérial, c'est le 06, le 67, le 44, le 44. Le dernier projet, c'est Fenangai. Edwin, tu peux me retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Merci beaucoup les garçons d'être passés sur le plateau. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. N'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon. C'est ce que tu me fais. Ça fait des mois que je te cherche. J'attends, tu m'avais déjà mis à tes côtes. Je suis parti voir tes parents. Ils m'ont dit que t'as voyagé. J'ai même demandé ton numéro. Tes soeurs refusé de donner. Bébé, je me demandais pourquoi. Tu as disparu sans laisser de nouvelles de toi.